Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à cet hebdo crypto, le grand retour des altcoins. Vous allez voir, il se passe vraiment des choses très très intéressantes au niveau des altcoins, une semaine quand même qui a été exceptionnelle. On va revenir sur les actualités majeures de cette semaine. Il y a eu la décision de la Fed qui a été conforme aux estimations, la décision de la BCE de la même manière, la statistique qui a mis un peu de doute, et je pense qu'il va mettre peut-être le marché sous pression la semaine prochaine, c'est la statistique sur le chômage. Vous allez voir, une très très belle statistique. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a eu aussi peu de chômeurs aux États-Unis. Malheureusement, s'il n'y a pas beaucoup de chômeurs, ça a un impact sur l'inflation. On verra ça juste après. Et donc, potentiellement, ça peut changer la façon dont la Fed va gérer les prochaines hausses des taux. Donc déjà, pour commencer, déjà une très très belle semaine. Vous voyez, on est en hebdomadaire. On a fait un mois aussi exceptionnel, hein, si vous regardez. On fait vraiment un mois fabuleux. Des performances à trois chiffres, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça quand vous regardez en mensuel, et il y en a beaucoup. Ça veut dire que vraiment il y a un gros retour des stablecoins, parce que quand vous regardez en mensuel, le Bitcoin et l'Ethereum grosso modo prennent des 39-40%, c'est très très beau, mais les altcoins vont faire parfois 10 fois mieux que ça. Donc en hebdomadaire, pour cet hebdo, on voit qu'il y a X qui prend 80% quand même sur cette semaine. Vous savez très bien que moi ce dossier là je l'apprécie pas, c'est pas parce que ça prend 80%, ce qu'il faut pas oublier c'est que ça perd 80% aussi sur un an, donc ça fait un rebond, et comme d'habitude sur ce token des très très faibles volumes sur lesquels je me méfie toujours, je ne change pas mes convictions parce que des tokens comme ça explosent. On a DYDX qui continue sa super belle hausse, FTM aussi, on a ETHW qui est revenu, et il y a aussi même Shiba Inu, et ça c'est un peu un signal d'alerte. Vous savez, souvent sur les marchés, on dit que souvent c'est le Bitcoin d'abord qui prend le lead, qui part en avant, ensuite les altcoins, et là ce qu'on voit c'est la troisième lame, ce sont les shitcoins, entre guillemets, qui prennent la hausse, et ça c'est assez dangereux parce que c'est souvent un signal historiquement de retournement de marché, donc faudra faire attention. On est peut-être sur un petit bull market qui a été très court, qui a duré un mois, on aura peut-être des replis, et complètement normal parce qu'il y a de la prise de bénéfice, c'est ce que je vous explique en permanence. Si on revient sur les principales actualités, la Fed a fait exactement comme prévu, ils ont augmenté leur taux à 0,25, on est à 4,75 aux États-Unis, et donc l'objectif pour l'instant c'est qu'à la prochaine réunion il augmente que de 0,25 pour arriver à 5%, et 5% ça commence à être des taux vraiment assez neutres, et on pourra atteindre bientôt le point pivot pour moi entre 5 et 6% pour la Fed. Au niveau de la BCE par contre c'est complètement différent, on était très très bas. Et donc, ils ont augmenté de 0,5. Et l'idée, c'est que, grosso modo, à la prochaine réunion de la BCE, c'est normal, on va l'augmenter encore de 0,5 pour aller se rapprocher des 3%. Comme ça, on serait aux États-Unis à 5%, en Europe à 3%. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Bien évidemment, toutes les statistiques qui vont arriver, et malheureusement, la statistique est sortie vendredi qui a mis le doute sur les marchés, c'est le chômage. Et là, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est le côté horrible des marchés financiers. Le chômage est au plus bas depuis 50 ans. On pourrait se dire, c'est une très très bonne nouvelle. C'est très très bien. Vous verrez, j'ai fait... Quoi, vous verrez? Vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là qui me plaît beaucoup. C'est ce qu'on appelle la grande démission. C'est que, en fait, il y a eu énormément de gens aux États-Unis. Ça arrivait aussi en Europe, qui ont démissionné massivement, et grosso modo, il y a vraiment énormément de secteurs qui recrutent. Moi, je travaille dans l'informatique, on recrute énormément, il y a énormément de boulot, il y a plein de secteurs où on a des problèmes pour recruter. Et donc, le fait que le chômage soit très bas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les patrons, c'est parfois pas une bonne nouvelle, parce que ça met pas la pression sur les gens. Vu que le chômage est très très bas, bah les gens ils quittent plus facilement leur entreprise, ils posent plus facilement leur démission, alors qu'on peut avoir peur, en particulier nous en Europe, de laisser notre CDI et de poser une démission. Maintenant, si le chômage est très très bas, eh ben on peut se dire qu'on va trouver rapidement du boulot ailleurs. Et ça, les patrons, finalement, ils aiment pas trop. Et donc, grosso modo, c'est ce que nous explique cet article de Zone Bourse, c'est que quand vous avez le chômage qui est très 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 faible, eh ben ça met une pression sur les salaires. Parce qu'à un moment donné, vu que le chômage est très très bas, bah on peut pas mettre la fameuse carotte et dire bah attention, le chômage est élevé et compagnie. Et donc, on est obligé d'augmenter les salaires. Et donc, ça aura un impact sur l'inflation, malheureusement. Et donc, si ça a un impact plus fort que prévu sur l'inflation, la Fed, malheureusement, devra peut-être augmenter plus à la prochaine réunion. On verra les statistiques, parce qu'aux États-Unis, ils communiquent les chiffres du chômage toutes les semaines, le vendredi, donc ce qu'on va beaucoup suivre, et c'est assez horrible en même temps parce que c'est une très très bonne nouvelle depuis un demi-siècle,
C'était la meilleure statistique du chômage aux États-Unis. Et je pense qu'en Europe aussi, ça va arriver. Certains me disent à chaque fois quand je parle de chômage, oui, mais c'est trafiqué, les chiffres. L'idée en économie, c'est qu'il faut comparer toujours de la même manière. Que ce soit trafiqué ou pas, il faut que tous les mois, on compare exactement de la même manière. Donc si ça a été trafiqué sur les 50 dernières années. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, pour moi, le chômage, il baisse de toute façon. On peut dire ce qu'on veut, le chômage baisse. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, par rapport à la Fed, bizarrement, eh ben, ça veut dire que peut-être qu'in fine, ils vont augmenter plus fort les taux que prévu. Ils avaient prévu à 0,25. Peut-être qu'ils les augmenteront à 0,5, par exemple. Et ça, par contre, ça sera pas bien interprété par le marché. Parce que ça veut dire que, et on verra bien évidemment les chiffres de l'inflation aussi pour voir si c'est corroboré à cette statistique. Donc, si on regarde maintenant rapidement quelques indicateurs, l'euro-dollar, c'est très très propre. Pour moi, là, il est sur une rampe de lancement, l'euro-dollar. Cette statistique, on voit les différents taux, les statistiques du chômage, bah, ça a fait plier. Entre la BCE, c'était jeudi, et les chiffres du chômage, ça a fait plier l'euro par rapport au dollar. Pourquoi? Parce que ça a contrebalancé finalement le fait que la Fed va peut-être pas augmenter de 0,25, de 0,5. En attendant, pour moi, on est sur un trend magnifique. Moyenne mobile 100 qui a croisé avec la 200, la 50 qui est là. Ensuite, pourquoi je dis que les altcoins repartent? C'est que la première des altcoins, c'est l'Ethereum. Et donc, je suis essentiellement, c'est ETH, Ethereum sur Bitcoin. C'est un indicateur hyper intéressant qui était pratiquement au plus bas de 6 mois. Et là, depuis quelques jours, il est en train de rebondir. Et on le verra, l'Ethereum reprend le lead par rapport au Bitcoin. Il augmente beaucoup mieux que le Bitcoin récemment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, le Graal, je vous le dis, moi, les amis, c'est que mon rêve, c'est qu'on arrive sur ces niveaux-là. Parce que sur ces niveaux-là, ça serait exceptionnel. On relancerait l'énorme altcoin season. Comme on n'a pas connu depuis très très longtemps, je vais vous montrer, c'était en 2017. Donc ça, vraiment, ça serait exceptionnel. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est un espèce de range ETH sur BTC. Et quand on explose ici, boum, là c'est la fête au village. Là, je peux vous garantir que c'est même pas des x10 qu'on ferait sur les altcoins, c'est des x50, des choses complètement folles. On n'y est pas du tout, mais c'est ça que j'ai en ligne de mire, en tout cas à titre perso, sur cet indicateur. Vraiment, c'est un rêve. Et on verra le jour où ça se produit, où on s'en rapproche. Ici, vous en souvenez, c'était septembre, ça paraît tellement loin. Tellement loin, tellement loin. Septembre 2022, on a failli y arriver. Et il y a eu les différents scandales, FTX et tout ça qui ont fait plier. Mais là, en tout cas, c'est positif ce qui se passe. Donc, si on regarde le Bitcoin maintenant en hebdomadaire, il va y avoir une chose intéressante cette semaine. Vous le savez, c'est pour ça que je dis vraiment faites très attention. Prenez des plus-values de temps en temps, c'est important. Certains vont me dire, oui, sur du long terme, on peut holder. Moi, en tous les cas, à titre personnel, je n'hésiterai pas à prendre des bénéfices parce que à un moment donné, non pas que je sois fataliste, mais on voit que les 25 000 dollars, il y a les 25 000 dollars qui sont une résistance. On a la moyenne mobile 200 semaines, là je suis en semaine, la moyenne mobile 50, et les 3, ça veut dire qu'il y a 3 résistances. Et statistiquement, moi je suis honnête, je pense que statistiquement ça devrait plier. Après ça ne veut pas dire que ça va plier et qu'après ça va repartir, on n'en sait rien aussi. Par contre si ça passe, ça peut être une dinguerie, ça peut être complètement fou. Quand on regarde en quotidien, par contre, on est toujours sur cette zone-là. On voit qu'on est en train de vraiment bien travailler cette zone. On n'est pas si loin, hein. 24 500, on explose. Et on allait toucher les 24 003, justement, on s'est fait rejeter. C'était mercredi avec la décision de la Fed. Et là, hop, repli, tout simplement, au niveau de cet indicateur. Donc on voit qu'on est dans une grosse zone de résistance ici. Impossible de prédire où est-ce qu'on va aller au sud ou au nord. Mais en tout cas, on est dans cette zone, grosse zone de travail. Pour l'Ethereum, regardez, il était en sous-performance, vraiment sous-performance. Il était sur le bas de ce range, et là, il est en train d'aller, il est à peu près à la moitié. Est-ce qu'il va réussir à passer grosso modo la zone des 1008? Ça serait exceptionnel pour l'Ethereum, et surtout, ça lancerait une très très belle Alcon Season. Et en tout cas, on va aller voir, il y a des très très beaux dossiers, comme on l'a vu en hebdo, en mensuel, des augmentations à 3 chiffres, ça fait très très plaisir. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe rapidement plusieurs cryptos que je suis, que j'ai en portefeuille, pour voir un peu s'il n'y a pas des choses intéressantes à dire. S'il n'y a rien à dire, je passe très rapidement. Polkadot, c'est hyper intéressant, c'est en train d'exploser la moyenne mobile 200, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. J'ai fait un dossier en janvier, c'est un dossier que j'apprécie bien. C'est en retard sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais c'est pas mal. Atom Cosmos, grosse zone de résistance ici, on le voit autour des 15,5. Voilà, les plus frileux commenceront à prendre des bénéfices, je pense, sur Atom Cosmos.
Polygonmatic, c'est exceptionnel, mais pareil, moi je pense que Polygonmatic, si je suis un peu frileux, je prends un peu de bénéfice sur Polygonmatic. Ouais, parce qu'on est vraiment sur des zones voilà, très très hautes. Et j'hésite à prendre des bénéfices ici sur ces niveaux-là. Après, si on explose, ça peut être quelque chose de beau, mais là, à un moment donné, vu comment on sature au niveau du Bitcoin, voilà, faut faire attention. Faut pas oublier que ça vient de 40 centimes. Donc voilà, ça a fait facilement x3, x4. C'est un peu dangereux, je trouve, sur Polygonmatic. Chainlink, énorme sous-performance de Chainlink en ce moment. Ça me donne plutôt, par exemple, si je devais vendre des tokens, eh ben, je pense que je renforcerais ma ligne sur Chainlink parce que c'est un projet majeur et je trouve qu'il sous-performe de folie. On est vraiment très très bas. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à mon portefeuille d'ICA, je suis à 18 000. Ça veut dire que c'est assez incroyable. Je suis à 18 000 aujourd'hui, 80%. Et c'est super intéressant parce que, bon, déjà, c'est exactement mon nombre d'abonnés. Mais ça, c'est un détail. Mais surtout, je vais arriver au niveau des 20 000. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, quand j'ai démarré avec 10 000, l'objectif, c'était de faire 100 000 et donc faire x10. Le jour où je vais arriver à 20 000, il suffit que je mette tous, voilà, sur des choses plus stabilisées. Et on va se retrouver sur plus qu'un x5 à faire, finalement. Mais Chainlink, je trouve que je vais renforcer, je pense, parce que c'est sous performance notable. JRT, un peu comme on l'a vu sur Polkadot, ça a explosé la moyenne mobile 200, boum, ça s'est reposé, et là, ça a l'air de partir. C'est très très positif, pareil, c'est pas mal. Stax, grosse sous-performance, encore sous la moyenne mobile 200, il est intéressant ce token, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. KDA, exactement comme Stax, ça n'a pas encore explosé la moyenne, c'est en retard. C'est ça qui est intéressant aussi à suivre, je trouve, toutes les semaines, c'est que les tokens n'explosent pas tous au même moment, il y a de la rotation sectorielle, il y a des tokens qui ont explosé, on va les voir, il y en a d'autres qui sont en retard, et si on veut faire de la surperformance par rapport à tout le monde, eh ben il faut savoir jouer sur cette sous-performance versus d'autres qui surperforment, prendre des bénéfices, par exemple, un peu sur Matic, peut-être les mettre sur ce genre de token. CKB, pour moi, il sous-performe, même s'il a explosé la moyenne mobile 200, et là, il stabilise un peu, mais pour moi, il est dans une config que j'adore, c'est que ici, il a explosé, ici, il nous fait un bull flag, ici, il nous fait un autre bull flag, et je suis très confiant sur ce token, vous le savez, c'est un token que j'adore, tout simplement. Chili, je vais pas en parler beaucoup, il se passe pas grand-chose, c'est complètement mou, honnêtement, il se passe rien, c'est rien de passer du temps et de se casser la tête. Binance, pareil, il surperforme, mais moi, pour moi, ça commence à être dangereux. On commence à arriver dans des zones peut-être où il faut prendre un peu de bénéfices. Decrit, c'est un dossier que j'aime bien, et sous-performance, un peu comme STX, comme Stax ou comme Cadena. Klein, pareil, ça sous-performe. C'est là un peu au-dessus de la moyenne mobile 200, mais c'est voilà, ça fait partie des dossiers vraiment que j'apprécie beaucoup, qui sous-performent. VeChain, c'est mitigé, mais c'est voilà, ça a tout explosé les moyennes mobiles. Ça sous-performe, mais c'est pas mal. Kant, c'est pas mal, mais j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que les zones importantes, ça va être au-dessus des 200. DYDX, c'est sur une folie, mais pour l'instant, je vends toujours pas. J'ai dit que j'hésitais à vendre. Là, ça digère tranquillement, mais pour moi, il n'y a pas de risque majeur. DYDX, pour l'instant, je reste, je garde. C'est pas assez pour que je vende, tout simplement. XRP, on espère vraiment des décisions par rapport à la SEC, c'est plutôt de la sous-performance. Celo, ben ça sous-performe, hein, comme vous le voyez. AVAX, c'est pas mal, ça a bien explosé toutes les moyennes mobiles, un peu comme CKB, et là, ça nous fait un espèce de bull flag, je trouve. ILV, vraiment, ça fait très très plaisir, parce que j'en parle depuis pas mal de temps, c'est en train d'exploser, ça consolide un peu, mais rien de... Voilà, bon, c'est vraiment plus tard qu'on parlera de vente, au moins aux $300. Jamie, ça sous-performe, j'ai fait une valeur, mais une vidéo sur cette valeur, mais là, hop, on est vraiment, ça sous-performe. Algorand, exactement pareil. D'ailleurs, je fais une vidéo très bientôt, je pense, ça sortira demain. Ça sortira demain, d'ailleurs, une vidéo spéciale sur Algorand, qui est un projet que j'aime bien aussi. Theta Token, ça sous-performe, j'en ai parlé très récemment. FTM, c'est un missile sol-sol, mais en plein dans les airs. Et pour moi, il y a encore du mou à aller chercher un peu plus haut, en tout cas, sur le token. Les plus frileux, bien évidemment, sur FTM, DYDX, prendront un peu de leurs bénéfices. Voilà. Si vous êtes moins confiant. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas du tout envie de prendre de... ADA, j'en ai parlé, ça sous-performe, mais bon, c'est dans une config que j'apprécie énormément.
CQT Covalent, concurrent, et ben là ça explose. C'est vraiment très très beau ce qui se passe, c'est en train de tout exploser, ce concurrent de GRT. Immutable X, c'est un token que j'ai en portefeuille qui est en train de tout exploser depuis les 40, là c'est en train de tout exploser. Ça devient un peu dangereux là, mais il y a encore du mou, je pense, à aller chercher. LRC, concurrent de Polygonmatic. Quand Polygonmatic, le concurrent direct, il se porte bien. Il est en train de bien dérouler. J'en ai aussi et je garde pour l'instant. Filecoin. Moi, Filecoin, je trouve que c'est dans une très très belle configuration. Et on verra ce que ça va donner, mais c'est plutôt en sous-performance. Band Protocol, ça se passe pas mal, mais pas grand-chose à dire. Quantum, c'est un dossier que j'aime beaucoup et je pense que je ferai une vidéo plutôt en fin de semaine. J'aime beaucoup cette configuration. Flux, ça se passe très très bien, ça surperforme, il y a encore du mou pour aller vendre peut-être un peu plus haut, autour des 1.4 faudra se poser la question en tout cas. IOTA, c'est vraiment une très belle config aussi, pile sous la moyenne mobile 200, plutôt de la sous-performance. Harmony, c'est en train de tout exploser, Harmony One. Hedera Telegraph, j'ai fait un dossier il n'y a pas longtemps, c'est dans une super belle config, un peu comme CKB, ça a tout explosé, et là ça consolide dans un espèce de bull flag. BAT, j'en parlerai bientôt aussi, parce que j'aime bien cette config, pile sous la moyenne mobile 200. Telcoin, pas grand chose à dire. Rose, belle config, même des niveaux, voilà. Ce genre de config j'aime bien, parce que c'est vraiment des zones intéressantes, même pour renforcer éventuellement. Horizon, grosse sous-performance. Casper, vraiment ça, c'est beau là ce qu'il est en train de se passer. On a encore du mou, Casper, on peut aller viser facilement les 5 centimes. NIR Protocol, la grosse sous-performance, rien à dire. AVE, pas grand chose à dire. Litecoin, c'est une folie. Litecoin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que leur halving, c'est en novembre là, novembre 2023. Et ce qui me plaît avec Litecoin, c'est qu'il donne des indications. C'est que je m'en souviens en 2019, il a explosé avant, bien avant le Bitcoin, type 6 mois avant. Et là, c'est marrant, je crois que c'est novembre. Et le halving du Bitcoin, c'est en mars. Je crois que c'est fin mars 2024. Donc c'est 4 mois avant et c'est marrant. Peut-être qu'il nous donne la tendance du Bitcoin 4 mois avant. Je l'espère en tout cas. Ça me rappelle vraiment 2019. Je démarrais 2019-2020. Il avait démarré son explosion avant le Bitcoin. Moonbeam, certains me disent qu'il y a une émission, j'ai pas vu une émission de token dans quelques jours, je trouve que c'est une config missile sol, et surtout ça peut faire des ratios de dingue ce token-là. Axie Infinity, je le suis toujours, config un peu de sous-performance. Gala, maintenant on va arriver beaucoup dans les NFT Metaverse, Gala ça avait complètement explosé, et là ça sature un peu, mais toujours dans une belle config je trouve. Flow, grosse sous-performance. Flow, c'est quand même l'inventeur des NFT, mais ça sous-performe de fou. Upcoin, ça sature un peu, mais moi, je fais du stacking à pratiquement à 100% en ce moment, donc ça prend un peu, plus le stacking, c'est quand même énorme. Zilliqa, je pense que j'en parlerai bientôt, j'adore cette configuration. Engine, très très belle configuration, pareil dans le... Et UOS, énorme configuration. Ça, boum, ça a bloqué. Et là, peut-être que ça va nous faire quelque chose de bien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il nous fasse une tasséance. Un truc comme ça, là. Tasséance. Ensuite, ICP, je regarde ça de loin, mais ça m'intéresse pas trop. Morpheus Network, je suis un peu dégoûté. Je voulais en prendre. J'avais attendu la consolidation et c'est reparti un peu de nulle part. Ça rebondit, en fait, sur sa moyenne mobile 200 ici. En fait, c'était intéressant ici à 90, ça a pris 100%. Voilà, j'ai un peu loupé le truc, je suis un peu dégoûté. C'est un dossier que j'aime bien parce que c'est l'un des seuls concurrents crédibles de VeChain. Ergo, pas grand-chose à dire, ça sous-performe de folie. Ergo, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment intéressant, mais ça stabilise, ça range quand même. Tron, pas grand-chose à dire. Même si Tron, il se passe énormément de choses au niveau de l'actualité, au niveau de Tron. ETHW, ça fait plaisir, enfin il se réveille, ça a été dur avec ce token-là, ça fait très très longtemps que j'en ai, mais je vais être très très patient, je vais attendre les 10$, j'ai une assez grosse position, je crois que j'en ai 200 et quelques, donc c'est une ligne sur laquelle je vais être patient, tout simplement, il faut savoir l'aide de temps en temps. Encore sous performance, mais très très belle config. Solana, ça commence à être intéressant, mais Solana, pour l'instant, je mets pas d'argent sur Solana. J'aime pas trop ce token, et avec tout ce qui s'est passé, honnêtement, j'ai des doutes.
Dogecoin, ça se passe plutôt bien, surtout avec ce qu'il peut se dire, voilà, c'est très lié à Elon Musk, hein, Dogecoin, sinon il n'y a pas grand-chose comme actualité. Par contre, Shiba Inu, c'est une grosse dinguerie, là, ce qu'il est en train de se passer. Hein, c'est fou ce qui se passe. Et je pense que c'est lié à Shibarium, qui est la layer 2 de... qui va permettre de faire beaucoup plus d'usage autour de Shiba Inu, et c'est un truc de dingue ce qui se passe. Et en plus, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on dirait que ça nous fait, sur du long terme, un espèce de W, là. Donc ça peut être explosif sur Shiba Inu. Énorme, là, ce qui se passe, là, en direct. Et enfin, pour finir, je le suis aussi de temps en temps, Terra Classic. Il y a une belle convergence, mais j'attends un peu de voir d'autres signes. Veracity, j'avais été bluffé par le projet, mais j'ai des doutes. Après, au niveau graphique, faut être honnête. Honnêtement, ici, il est en train de nous faire un bull flag, le Calaïou. Donc, Veracity, très très beau ce qu'il fait. Je suis pas dedans, hein. HNT, j'en parle pas, mais j'en... Voilà. Et Aptos, je vous en avais parlé, ça fait un M ici. Pour moi, ça doit aller encore vers le sud. Et enfin, Ocean Protocol, c'est ma toute dernière acquisition. Bien m'en a pris, j'avais en plus acheté cher, je me souviens, autour des 32-33. Ici, ça a pris, ça a bien descendu. J'ai failli en recharger un peu, mais pas forcément, j'avais pas envie d'en mettre tout de suite, reprendre. Mais ça se passe très très bien, vraiment très très belle progression sur Ocean Protocol. Donc voilà, ce sera tout pour moi. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. On se revoit demain pour le Morning Crypto. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que demain, je vous fais un dossier spécial lundi à 17h sur Algorand, la fin de la chute. Mardi, j'y travaille dès maintenant, c'est que vous savez, le secteur du metaverse NFT gaming, il y a tout le GAFAM qui est en train d'arriver, et je pense que c'est le bon moment de faire un gros dossier, un espèce de benchmark un peu sur tous les projets, un bilan un peu de 2023 sur tous les projets metaverse NFT gaming. Ça sortira mardi à 17h, et mercredi, je vous fais un dossier un peu spécial. C'est pourquoi j'évite les stablecoins, tout simplement. Ça fait plusieurs mois, à chaque fois, quand je vous dis je vends, en fait, je ne vends pas, je convertis en Bitcoin. À un moment donné, je faisais de la conversion en BNB, parce que j'étais beaucoup dans le monde Binance, et je mettais ça en stacking. Et là, je vous explique tout simplement pourquoi. Ça fait plus de pratiquement 8 mois que j'évite tout simplement les stablecoins. J'ai un peu du mal, vraiment du mal. Surtout, j'ai pas aimé ce qui s'était passé avec Terra et l'UST. Mais j'ai des doutes sur pratiquement tous les stablecoins. Et surtout, les doutes sont bizarrement... On a des informations très très particulières, je trouve, sur les stablecoins. Donc voilà, les trois dossiers qui vont sortir lundi, mardi, mercredi... et jeudi, vendredi, il y aura d'autres dossiers, mais là je vais me laisser du mou par rapport au thème que je vais traiter. Donc en tout cas, j'espère que cet hebdo crypto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, ciao tutti.